Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end après la mise à jour. Donc nous allons passer sur la map, nous avons enfin la nouvelle zone, le canyon des cendres, donc Ash Canyon en anglais. Donc nous savons l'emplacement, je ne sais pas comment y accéder, bon il faut passer éventuellement par le mont Timberwolf, ça on le sait. Mais je ne sais pas vraiment où est en fait l'emplacement pour aller directement au canyon, on va découvrir ça ensemble. En tout cas j'espère que tout le monde va bien, nous sommes prêts pour des nouvelles aventures. Donc pas mal d'heures se sont passées en vrai entre le dernier épisode et celui-là maintenant. J'ai tué pas mal d'ours et tout ça. Je voulais faire un petit montage, mais au final j'ai tué que 3 ours, donc c'est pas vraiment très très intéressant à regarder. Je garderai peut-être les vidéos de côté, on sait jamais. Ça peut être utile. mais en tout cas, il y a quelques jours qui se sont passés dans le jeu. Donc avec cette mise à jour, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo des développeurs ou alors ma vidéo sur ma chaîne par rapport à la mise à jour, parce que je montre des objets uniques. Il y a des nouveaux objets évidemment. Je ne vais pas les spoiler, je vais pas en parler là maintenant. Tant qu'on les a pas trouvés, je vais pas en parler. Mais pour ceux qui sont curieux, il y a 2 objets uniques au Canyon des Cendres. Donc je vous conseille d'aller faire une petite expédition là-bas pour essayer de les trouver. Donc nous bien sûr c'est ce qu'on va essayer de faire, hein, évidemment on est prêt pour partir. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai plus l'habitude de parler autant. J'ai fait une petite pause, j'ai plus l'habitude de parler autant. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et notre équipement, parce que encore une fois, comme j'ai dit, nous allons devoir passer. Donc nous sommes au lac Mystère évidemment. Nous allons devoir passer par le barrage pour retourner à la vallée charmante. Puis en fait la vallée charmante, je pense que ça va être l'endroit le plus chiant en fait à passer, parce qu'avec le blizzard et tout ça c'est vraiment très très embêtant. Et après une fois qu'on sera au mont Timberwolf, ça va être plutôt relax parce qu'on le connaît, on a mis toutes les cordes disponibles et utiles, donc ça devrait passer. Et après on essaiera de trouver donc l'entrée pour le canyon des cendres. Mais voilà, nous sommes bien équipés, donc maintenant passons à l'équipement. Donc je vais vous montrer avec quoi on part. On a noté qu'on est en dessous des 40 kilos, donc ça c'est déjà bien. On va peut-être en prendre un peu plus, hein, des kilos, et après on verra un peu comment ça se passera. Pourquoi? Parce qu'on va devoir prendre des cordes, évidemment, hein, c'est le mont Timberwolf, donc on va... les premières cordes, elles vont être à l'entrée du mont Timberwolf, après à l'intérieur il va en avoir 2 ou 3 à prendre, et j'imagine que le canyon des cendres a aussi des cordes, parce que, encore une fois, comme on en avait déjà parlé, c'est une zone de fin de jeu, hein, c'est une zone de endgame complètement. Le mont Timberwolf étant en théorie la zone la plus difficile du jeu pour le moment. Après on peut parler de la crique lugubre avec les loups gris, d'accord, c'est vrai, mais par rapport à l'environnement, le mont Timberwolf est un des plus compliqués en fait. Merci. Ok, merci de m'avoir interrompu pour ça, super. Donc dans tous les cas, donc ce que je disais, mont Timberwolf étant une des zones les plus difficiles du jeu, hein, donc le canyon descente devrait être aussi difficile que le mont Timberwolf, peut-être plus. Voilà, ça va être cool, ça va être cool. Donc, pour notre équipement. Donc, pour le feu, nous avons 30 allumettes. Je pense que ça suffira. On va peut-être en prendre un peu plus, parce que, encore une fois, je pensais pas que le Ash Canyon serait aussi loin. Donc, je pense qu'on va en prendre peut-être une dizaine de plus sur le chemin pour faire des feux. Comme ça, on sera assez libre, en fait, pour faire des feux. Nous avons, bien sûr, un Fire Steel, le plus haut... pourcentage que j'ai, donc c'est 87%. Nous avons une loupe. Pour le médical, donc nous avons 10 Raichi de côté, 10 B, 5 écorce, 3 et 3. Et après nous avons des T en plus. Alors, le problème c'est que on va passer par des zones qu'on connaît déjà, donc on va pas pouvoir récupérer genre des nouveaux Raichi, des nouveaux trucs comme ça. Mais par contre, dans le canyon, j'imagine qu'il y aura beaucoup de champignons et beaucoup de choses, donc je pense que ça suffit, en fait, ça suffit de partir avec ça. Après, pour les vêtements, donc je les ai tous rafistolés, donc on est vraiment... J'étais un peu dégoûté, parce que encore une fois, je vais être honnête, les vêtements ont des pourcentages un peu étranges. Genre, j'avais fini de recoudre, par exemple, les bottes, et j'étais en train de recoudre le pantalon, et les bottes, elles sont directement passées à 99%.
Pourquoi? J'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a des vêtements de très très bonne qualité. Hein. On peut voir que nous sommes protection 45%, sprinté, bon on n'a que 40%. Bonus de chaleur 30 degrés, donc très très bien. Et on a 13 degrés de coupe-vent. Donc on est très très bon en point de vue vêtements. Donc ça, je suis vraiment très content. J'ai même ça on pourrait le refaire. Mais bon, 6%, on va pas le faire quand même. Ça serait un peu du gâchis. Pour la nourriture, donc on va prendre bien sûr de l'eau. De la nourriture, on est à fond, on a le bonus bien nourri, je parle beaucoup, après je vais un peu arrêter par contre, parce que je commence à perdre ma parole. On a beaucoup de nourriture de côté, donc on va en prendre un peu plus, on va partir à peu près à 43 kilos, un truc comme ça, et le temps qu'on y arrive en fait au Mont Timberwolf, qu'on doit prendre la corde, là on baissera notre poids en fait. Après nous avons donc 2 tasses de café, et 2 tasses de tisane. Alors je voulais en prendre plus, mais je me suis dit ça va prendre du poids en fait, ça va être assez lourd pour pas grand chose. Donc ce que j'ai fait, parce que j'y avais une boîte de tisane et une boîte de café que j'ai pas créé, que j'ai pas crafté en fait, que j'ai pas fait en café, donc du coup c'est 0.05, donc celle-là on va les prendre, donc on aura 5 cafés de réserve et 5 tisanes de réserve, et ça fait à peine 0.10 en poids, donc c'est beaucoup mieux que d'avoir 10 cafés et 10 tisanes, donc vraiment vraiment cool. On va boire un coup. Ouh la vache, ça va mieux. Donc après, comme j'avais dit, vu qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer au Ash Canyon, bon, j'imagine qu'il y aura des loups, j'imagine qu'il y aura des ours et tout ça. Mais si jamais on a des problèmes pour nourriture, on a 50 tiges de massette. Donc ça aussi, ça c'est bien, ça fait à peine 2,50 kg, c'est vraiment très peu, et ça pourrit pas, ça a aucune odeur et tout ça, donc on va en prendre 50 sur nous, ça fait 50 x 150 de calories, donc vraiment très très bon, donc on va prendre ça sur nous. Après pour les outils, évidemment, donc tous les outils 100%, tout nickel, nous avons donc une fusée et une fusée nautique. Pourquoi je prends la fusée nautique? Je sais pas trop, peut-être qu'il y a des loups gris, j'en sais rien en fait, je me suis pas spoilé ce côté-là. Je pense qu'il n'y en aura pas, honnêtement on peut prendre une fusée normale au lieu d'une fusée nautique, mais je sais pas. On en a plein, on en a une dizaine je crois de fusées nautiques, donc autant en prendre une, et puis voilà quoi. Par contre la fusée nautique reste pas très longtemps par rapport à la fusée normale, donc j'espère vraiment qu'on n'en aura pas besoin. On va pas prendre de lampe parce qu'encore une fois la lampe elle fait 2 kg et quelques je crois quand elle est pleine, donc ça c'est un problème. Bon par contre on aura les torches, donc voilà 2 kg ça sera un peu gros. Sinon comme j'ai dit, outils à 100%, on a aussi une pierre à aiguiser si jamais on a des problèmes là-bas. on a une scie, on va prendre un nécessaire de couture parce que c'est pas très lourd. 21 flèches, donc comme ça on en aura une décochée et on en aura 20 dans le carquois invisible. Donc ça c'est bien, on va pas prendre de fétou par contre, parce que le fétou c'est quand même 1 kg et c'est lourd et c'est pas vraiment très très intéressant. Donc on va prendre 2 boîtes de conserve, donc 0,15 les deux, donc c'est très bien. Et après nous allons prendre 3 cuirs séchés. Alors les cuirs séchés honnêtement, c'est pas vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant juste pour la sacoche en peau d'élan par exemple. Alors après, je pense pas qu'on va trouver des nouveaux vêtements ou des trucs importants qui aient besoin en fait de cuir. À la limite, peut-être qu'on devrait les déposer et en prendre juste un seul. Parce que c'est vrai que ça fait 0,20 à chaque fois. On gagnerait 0,20. Alors attendez, par contre, faut que je me trouve. C'est le lit. Ça va être un peu la galère. Il fait quand même. On va peut-être dormir encore un peu. On va attendre qu'il fasse jour. Ouais, peut-être qu'on va en prendre un peu moins de cuir, comme ça nous fera gagner 0,20. On va en prendre juste un seul. Juste un seul. On va dormir encore. Non, on n'est pas encore assez fatigué. Alors, si vous regardez cet épisode maintenant, cet épisode en fait sortira... comme d'habitude dans le week-end, donc voilà, vous pouvez regarder ça dans le week-end. Et par contre, j'aurais sûrement déjà sorti en fait les épisodes du Ash Canyon en avance, parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle zone, les gens veulent voir et tout ça.
Donc je les aurais sortis en avance ceux-là, donc allez les voir si vous êtes vraiment intéressé que par la nouvelle zone. J'espère qu'on... Bah, c'est un peu bizarre de dire ça parce que j'y suis pas encore, j'ai pas encore enregistré, donc peut-être qu'on n'y arrivera jamais, peut-être qu'on est déjà mort, je sais pas, ce sera la surprise. Mais voilà, allez voir si vous êtes intéressé par seulement la nouvelle zone. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, on va en prendre juste un seul. Par contre, un truc important, on n'a pas de tissu. On n'a pas de tissu de réserve, on n'en a que 6. on n'en a pas besoin de plus, honnêtement. Mais voilà, c'est une chose à noter. C'est qu'on va devoir avoir besoin de tissu un jour ou l'autre. Donc on va y aller. Attendez, il y a... Il y a un truc bizarre. Oh! Oh, le jeu a remis... Oh, attendez. Les commandes ont été réinitialisées, apparemment. Oh, les commandes ont été complètement réinitialisées à cause de la mise à jour. D'accord, c'est la première fois que je vois ça, tu vois. Ok, on va faire une petite pause, 5 secondes, je couperai ça au montage et on va repartir. Enfin, on continuera. à tout de suite. Ok, nous sommes de retour. Ok, on est bon, on est bon. Hop. Hop, très très bien. Ok. Hop, se baisser. Ok, on est tout bon. Il fallait refaire les touches, parce que c'est vrai que j'ai assez customisé mes touches. Je vais vous montrer mes touches, juste au cas où. Je vais jamais dans les options, normalement, mais je vais vous montrer mes touches. Si jamais ça peut aider des gens, parce que j'avais vu des gens. Comment tu fais pour, genre, jeter ta viande directement à terre? Tout simplement parce que la viande, en fait, est pas sans leurre. Tout simplement, tout ce qui est viande crue, cuite, il y a les boyaux aussi qui passent en leurre, ou alors les lapins que vous avez tués, que vous avez dans votre sac, vous pouvez les balancer en leurre. Donc, les touches les plus utilisées, c'est le leurre, et équiper des armes, en fait, c'est A et E, donc vous avez utilisé Z, S, Q, D pour vous déplacer, et A et E sont vraiment très simples pour appuyer dessus. Donc voilà, jeter leurre, équiper une arme. Et après j'ai les touches sur la souris pour m'accroupir, pour ranger les objets aussi. Par exemple si je sors l'arme avec A, j'utilise le bouton de la souris pour ranger l'arme et tout ça. Donc ça peut vous aider, donc pensez à ça. Pareil pour avoir accès directement à certains menus, ça peut vous aider. Donc voilà, tout simplement. Ok, on est reparti cette fois. Donc, nous allons... bon, ça m'embête. Bon, c'est vrai qu'on a des fusées nautiques. On a que 3, 5. Ça fait 6 avec celle que j'ai dans le sac. Est-ce qu'on en prend une autre? Non, je pense pas. Enfin, est-ce qu'on est, on les chance pour une fusée normale? Je sais pas trop. Dans un sens, j'ai un peu envie, honnêtement. Parce que je pense pas qu'on va rencontrer des loups gris. Ça m'étonnerait. Allez, on va les changer. On va faire ça. Je pense pas qu'on va rencontrer des loups gris. Après, bien sûr, on a notre pistolet de détresse, mais bon, ça sert pas vraiment à grand-chose. Il a 0,45, et à chaque fois, c'est 0,05. Bon, ça, c'est pas très lourd, mais ça sera pas vraiment utile. Hein, ça sera pas vraiment utile, donc on va pas le prendre avec nous. Et encore une fois, comme j'avais dit, si on prend par exemple une lampe tempête qui est pleine, je crois que celle-là, elle est pleine. Voilà, 1 litre, on est à 1,80. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop... Pour une source de lumière avec la lampe, c'est un peu le problème. Et on va sûrement trouver des objets au Ash Canyon. Donc il faut quand même... Pardon. Il faut quand même un peu de la place pour récupérer ce qu'on va trouver, quoi. Ouais, on est prêt. On va prendre de l'eau. On est à combien d'eau? J'avais mis quoi le sac? Le sac, c'est sur cette touche-là. On est à 3 litres 90. Ça va. Alors on va essayer de tracer, évidemment. J'ai déjà expliqué le coût des épisodes. Oui, j'ai déjà expliqué. On va essayer de tracer et de directement aller dans la nouvelle zone, évidemment. Donc on va essayer de faire le peu d'épisodes possible pour aller à Ash Canyon.
En plus, on a un beau temps. Donc, c'est bien. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai créé. C'est une cage de pierre pour la nourriture. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, on va prendre ça. Très bien. Ah, ça fait du bruit. Ça fait des bruits bizarres, les pierres. je sais pas, c'est un peu étrange. Bon. Donc, on est prêt. Allez, on y va. On a plein de bois sur le côté. On a pas... Ah oui, j'avais dit qu'on prenait des allumettes en plus. Oups. C'est important. Vu que c'est un peu loin, et je sais pas trop si on a laissé des allumettes plus ou moins, j'ai pas envie de taper en fait dans ma réserve d'allumettes. Donc on va prendre un peu des allumettes en plus. On va pas prendre le livre. Là on a un sac à 30. Ça c'est quoi? C'est les 82%. On a qu'à prendre un stack. Voilà, 40 allumettes. Même si je pense que c'est overkill, hein, c'est sûrement overkill. Mais au moins on sera prêt si jamais ça part en sucette. Si jamais ça part en sucette, on a le... On a tout... Ouais, on est prêt honnêtement. Je me suis bien préparé avant. Et honnêtement, cette mise à jour, elle tombe donc début décembre. On est le combien? On est le 7, le 7 décembre, donc vraiment vraiment cool qu'elle tombe maintenant, comme ça, ça me permet directement en fait d'enchaîner, genre parce que ce week-end là j'avais fini mes épisodes, et le week-end prochain du coup on pourra directement commencer avec cet épisode là, donc ça tombe vraiment bien, point de vue temps, enfin moment où la mise à jour sort et mes vidéos s'arrêtent, c'est vraiment parfait. Donc vraiment cool. Vraiment vraiment cool. On a qu'un seul arc et 20 flèches, enfin 21 flèches. Alors, pourquoi que 20 flèches? Honnêtement, pour casser les 20 flèches, il faut quand même y aller méchant, hein, faut quand même y aller assez sévèrement. Donc je pense qu'on en aura assez. Et après... on a un arc à 100%, donc on n'a pas vraiment besoin d'un deuxième arc, parce que nous on est... l'archerie elle est au niveau 5, donc il n'y a pas de problème. J'espère pas tomber sur des loups, parce que j'ai pas vraiment envie d'utiliser mes flèches ou quoi que ce soit. Si jamais on tombe sur des loups, on fait le tour, hein, on fait le tour. De toute façon il fait pas froid. Excusez-moi si j'ai l'impression d'être essoufflé, j'ai plus l'habitude honnêtement de parler. Enfin non, ça fait bizarre de dire ça. j'ai plus l'habitude de faire de longs discours en fait. Et j'ai eu pas mal de problèmes à la gorge récemment, donc pas top top on va dire. Mais voilà, j'espère que ça se passera bien avec, avec le Ash Canyon. On va remettre le collet. Non, pas ça, collet. Des fois, il y a des petits lapins ici. Aussi, j'ai fait des tests avec la cage de pierre, hein, pour ceux qui sont curieux. Donc, la cage de pierre, c'est comme si vous aviez la nourriture à l'extérieur. Donc, ça, c'est bien. Vous pouvez emmagasiner en fait toute votre nourriture à l'intérieur de la cage. Et elle reste au frais, en fait. Donc, c'est comme si vous la mettiez par terre, dehors. Donc ça c'est vraiment bien. Ça permet d'être, on va dire, un peu plus organisé. Mais encore une fois, c'est à peine 30 kilos, donc bon. 30 kilos, ça se remplit vite avec de la nourriture. Ça se remplit très vite même. Donc on va passer par le barrage, on va descendre, et après on sera directement, non on sera dans le canyon d'abord, et après on ira à la vallée charmante, et c'est à la vallée charmante qu'on ira au Mont Timberwolf, donc ça va bien se passer. Je ne peux pas sentir mes mains. Mais voilà, on est vraiment très très bien équipé. Hein. Très 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 bien équipé.
Donc vraiment content de ce côté-là. Honnêtement, l'endroit que je redoute le plus, c'est la Vallée Charmante. Parce que la Vallée Charmante, on a quand même... Ouais, on a toute la zone à franchir, en fait. On a vraiment toute la zone à franchir, donc ça, ça va être un problème. Ça va être un problème. Par contre, j'ai que deux torches. J'aurais peut-être dû en faire un peu plus. Je viens d'y penser. À la limite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un feu. Je sais pas trop où. Je n'ai même pas regardé s'il n'y avait pas des loups ou quoi que ce soit. Non, très bien. On fera peut-être un gros feu et on récupérera, vous savez, plusieurs torches d'affilée, comme on fait d'habitude. Parce que si on doit franchir une grotte... Est-ce qu'on doit franchir une grotte? Je me rappelle plus. Je crois que oui, on doit franchir une grotte. Donc il va falloir faire attention. Donc ouais, j'espère que ce sera suffisant. Non, j'aurais dû faire plus de... J'aurais dû faire plus de torches. Cela, on a plus de... Attendez, peut-être qu'on avait laissé une lampe, non? Parce que je sais qu'à des endroits, on a laissé des lampes. Mais je sais plus exactement où. Très bien. Ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris un gibier. J'aurais dû prendre un steak d'ours en fait. J'aurais dû complètement prendre un steak d'ours. Ouais, c'était vraiment bête. C'était un peu bête de ma part. Très bien. très bien. Je suis content. Honnêtement, je suis très content de cette mise à jour. Nouvelle zone, nouveaux objets à récupérer, nouveaux défis. On va prendre ça. Très bien. Ah bah c'est la porte qu'on doit prendre. Regarde, je vais vite fait. Alors je sais qu'on peut casser ça pour du tissu, mais ça sert à... C'est beaucoup de temps pour... Pour peu de tissus, par contre. Non, ça c'est un téléphone. Regarde s'il n'y a pas des tissus qui traînent comme ça. Ça serait bien. Je pense qu'on a fini, ouais. Ok. Du coup, on est... Ok, on a récupéré notre chaleur. On va boire et manger. On est à 43 kilos, c'est très très bien. Attendez. Bah on verra ça. On verra ça après. Ok, il fait pas froid. Pas très froid. Donc on a la grotte là. Alors nous on est là. Donc nous on peut s'arrêter là et puis après on doit passer par là. Et on ira vers le réseau des grottes. Ok. Alors faire attention s'il y a des loups en bas et on a pas mal de nourriture sur nous. Est-ce qu'on a... Ok, si je fais ça... Ok, parfait. Elle dépose d'abord le steak qui est entamé, donc si jamais on se fait courser par un loup, on balance le steak. On balance le steak. Ah, je crois qu'il a attaqué un lapin. J'ai entendu genre manger, grogner.
Comme j'ai dit, on évite, hein, on évite les combats le plus possible. On va pas pouvoir monter. Hop. Il est derrière nous, ça va. Parfait. Ah voilà. Il m'a fait peur ce con. C'est quoi ça? Ah, c'est une massette. Est-ce qu'il y en a devant nous? S'il n'y a pas de loup devant nous, ça va. C'est un lapin, ça, c'est un lapin. Il fait pas très froid, donc on va le faire en une fois. On va directement aller à la grotte. Parce qu'on se rappelle qu'on peut se protéger là-bas, s'il y a une grotte. Mais on va pas le faire. Il va sûrement aller sur le lapin. Par contre, c'est droite ou gauche? Je crois que c'est à gauche. Non, c'est à droite. Attendez. Ouais, non, c'est bien à droite. Et le vent se lève. Ça, on est protégé. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire du feu et prendre une tisane chaude aussi avant de partir. Ça aurait été une bonne chose. Bon, j'étais tellement impatient. ce qu'on pourrait faire par contre, c'est commencer à prendre des petits bouts de bois. Ah, attendez. Je crois que c'est par là. Prendre des petits bouts de bois sur le chemin. Je crois que c'est là. Ah, j'ai un doute. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de trouver avec le... Non, si, c'est là, ça monte et après c'est la grotte. Ah, parfait. Tiens, on va prendre ça. Très bien. Très très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire cette grotte sans feu? Je suis pas trop sûr. On verra. On va voir. On va voir. On va voir. Honnêtement, je me rappelle plus du tout du chemin. Pour l'instant, on va la faire sans feu. Non, je crois que c'est un cul-de-sac. Quoique non. Moi, j'arrive à distinguer les zones sombres, donc faites pas trop attention. Mais je voudrais quand même garder de côté les torches et tout ça. Donc, je vais continuer sans feu. Après, si jamais je vois plus rien, je sortirai une torche. Je crois qu'on est à la fin. Je crois qu'on est déjà à la fin. Par contre, on doit être un peu lourd. On a 44 kilos. Et par contre, on va pas prendre trop de... ouais, une dizaine, ça suffit, honnêtement. Genre, une dizaine, ça nous fait déjà une heure et quelques, je crois. 1h20, un truc comme ça. Voire même plus. Après, on a fait que sprinter, donc elle est fatiguée. Je voudrais passer la nuit dans... Ah, je sais pas trop. On verra. On verra où on arrive à la vallée charmante. On verra ça.
On verra, parce que c'est vrai qu'on a, on a fait que sprinter. On va beaucoup moins. Je vais sûrement marcher maintenant. À la vallée charmante. Ça dépend du temps, encore une fois. Ok, très bien. Alors, ça dépendra du temps, si on doit se presser ou pas. Alors, sur ce, ça, je vais le... Je vais le garder. On va commencer à manger ça. Parce que comme ça, ça nous fera un leurre. Vous saviez, à une époque, je gardais toujours des leurres sur moi. Maintenant, je le fais beaucoup moins. Ok, c'est parti. Alors, attendez. Alors, normalement, nous, on est là. Donc, ok, tout droit. Okay, très bien. Parfait. Parfait, parfait, on va longer un peu les rochers. Vous voyez que normalement là on aurait quand même assez froid, mais on a vraiment des vêtements de très très bonne qualité. Excusez-moi, j'ai la gorge qui commence à partir en live. Non, ça c'est par là, c'est chiant. S'il y a des cerfs, c'est qu'il n'y a pas de loup. Très bien, il y a la grotte là-bas. Non, on n'a pas trop froid. Oui, je disais qu'on a des très bons vêtements, donc c'est vraiment bien. On va essayer de se protéger un peu à chaque fois, avec les différents arbres. On a un loup là-bas, je crois. Ouais, loup à gauche. Ah, attendez. On doit être par là. Ah ouais, là il y a la route. Donc on n'est pas loin. Flairer. Il est où? Il est là. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. On a la tour qui est juste là, très bien. Ok. Alors déjà on a fait quand même un bon chemin, il est midi, par contre elle est fatiguée. Alors je sais pas si ça vaut le coup de dormir 2 heures, peut-être, là-dedans. Le temps de se réchauffer et tout en plus. Oh non. Bon bah changement de plan, on va devoir attendre. Ah mon dieu, je déteste cette zone. Oh là là.
Je déteste cette zone avec une passion. Passion énorme. On a encore un peu d'eau. Je voulais au moins arriver à la, au milieu de la map en fait, au milieu de la zone de la vallée. Mais genre la ferme. Mais non, on va pas y arriver avec ce temps là. Donc on va dormir ici, on va attendre un peu que ça passe. Je sais pas si on va devoir passer genre la nuit ici ou pas. Ça va être un peu compliqué. Simple ici, très bien. Là, on a des bois pour faire des arcs. Je regarde un peu ce qu'on a laissé. Ok, boyaux séchés, très bien. Nos vêtements, ça va. Là, on a. Ça va. On va manger ça. On n'a pas vraiment besoin de faire une pause pour prendre de la nourriture ou quoi que ce soit, donc ça c'est bien. On a une vingtaine de bâtons, c'est très bien, on est à 45 kg, c'est quand même beaucoup. On va dormir, on va dormir 3 heures. On va voir si ça se calme. Si ça se calme pas, je pense qu'on va devoir rester ici. Bloqué ici. On va être bloqué ici pendant toute la nuit. On va être bloqué ici pendant toute la nuit. Ouais. Après, j'ai envie de dire... Ça se tente. Peut-être qu'on peut descendre. Peut-être qu'on peut descendre. On a une visibilité de merde, hein, c'est ça le problème. Bon, on peut au moins atteindre la grange. Avant qu'il fasse nuit. On peut au moins atteindre la grange avant qu'il fasse nuit. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Parce qu'il fait pas extrêmement froid. Donc ça devrait quand même passer. Ok, allez au max. Votez-moi, bonne chance. C'est parti. Allez. Je te casse rien. Et quand on est protégé du vent, ça passe. Honnêtement, ça passe. On n'a pas vraiment froid. Faut atteindre la route. Pourquoi je suis à une corne hein? Okay. On va passer par le côté droit alors.
Ok, ça a l'air pas mal. Ok, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on était là. Bah non, c'est juste à côté. Non, on était à une autre corde qui est pas sur la map. Par contre, je trouve pas la route là. J'avoue que là je suis plus trop sûr d'où on est. Ok, on est sur de la glace. Ok, le pont. Le pont il est là. On a un peu dévié, hein, on a un peu dévié. Je vais pas réussir à monter. Chagrin. On va bientôt y être. On va rester parallèle à la bordure, ça y est, on y est, ça va. C'était un peu... c'est un peu compliqué, hein, mais ça va, ça passe. Ça passe. On peut voir un peu les vêtements. Ouais, vêtements mouillés, mais ça va. Ils ont un peu souffert du temps, hein, par contre. Hein. Ouais, ils ont un peu souffert. Mais on a bien avancé. Ah bon, faut plus prendre de bois, ça sert à rien. Mais on a bien avancé, je suis content. Je suis content, on peut dormir donc là. Je crois qu'il y a plusieurs lits en fait, c'est des lits de paille quoi. Juste un peu l'habitude de vérifier si on n'a pas oublié des choses la dernière fois, hein, juste au cas où. Mais normalement non. Donc on va se mettre là. Donc on peut dormir, on va manger et boire. Je crois qu'on va manger ça, comme ça on n'aura plus l'odeur, parce qu'on a l'odeur sur nous. Parce qu'on va commencer à entamer l'autre steak, donc autant finir celui-là, comme ça on se fera pas pister par les loups. Alors je voudrais pas avoir à chasser en fait, tant qu'on n'est pas dans le Mont Timberwolf, à la limite le Mont Timberwolf on commencera à chasser. Qu'est-ce qu'on fait? On met fin à cet épisode maintenant ou pas? Donc là, nous, on est là, on est à la grange. Donc on va faire grange. Ferme. Je pense que même pendant la nuit, s'il fait beau temps, on peut tenter directement d'aller à la ferme. Comme ça, ça nous avancera et on finira notre nuit à la ferme. Et après, on ira directement... On fera comme ça, on passera le pont. Et après, on ira à la cabane.
Et puis après, on prendra le... Vous savez, hein, comme on avait fait la dernière fois, on passe par les collines et tout ça, on monte. Là, on a une grotte pour se... avec les avions, là, tout ça. Et après, on continue et après, on ira là. Donc... et la cachette, là, c'est où c'est qu'on passe pour aller au Mont Timberwolf. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va dormir un peu. Et on va voir si on peut... Attendez. Ouais. On va dormir 5 heures... 6 heures. Et on va voir si on peut aller à la grange. À la maison, pardon. Ok, donc il fait... ça va, ça s'est calmé. Elle est pas complètement... elle est pas complètement reposée, donc ça c'est très bien. On va pouvoir du coup se reposer là-bas. À la maison, ok, donc quand on sort, de toute façon la ferme elle est très grande, donc on devrait la voir très facilement, et normalement s'il n'y a pas de problème avec le temps, on devrait distinguer même dans la nuit. C'est quand même pas le top, hein. Attendez, perpendiculaire. Alors là, faut faire attention par contre. Ah, je crois qu'elle est là. Faut suivre les câbles en fait. J'avais un peu peur, je pensais que c'était plutôt sur la droite, mais en fait non, elle est là. Faut suivre les câbles électriques. Enfin, je sais même pas, c'est quoi ça? C'est pour le téléphone? Sûrement pour le téléphone, ça, non? Quoique non, ça c'est des lampes. Non, sûrement l'électricité en fait. Attendez, y a pas de surprise. Oh, je vois rien. C'est stressant. Je regarde s'il n'y a pas des objets qu'on avait mis. On aurait laissé par terre. Ok. Alors je pense que ça va être... on va s'arrêter là. On va... J'allais dire. On va en chier pour trouver le lit. Putain, je crois en plus que c'est un étage et tout ça. Oh mon dieu. Je crois que il faut passer par un étage. Je crois qu'on va dormir dans le sac de couchage. Je crois qu'on va dormir dans le sac de couchage. Ça serait débile. Ça serait débile de dormir dans le sac de couchage quand même. J'ai envie de dire non. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça parce qu'on peut pas, trouver le chemin. Ou alors on peut gratter une allumette. On peut gratter une allumette, on en a 40, mais bon, gratter une allumette pour ça, c'est pas... Bah non, on voit rien du tout. On voit rien du tout. De toute façon, il faudra gratter une allumette, si je prends une torche ou si je prends une allumette. Donc dans tous les cas, on en perd. On perd une allumette. Donc du coup, on va simplement gratter une allumette. Ok. Oh mon dieu. C'est là. Ouais, très bien. Voilà. On y est, on est bon. Voilà, lit. De toute façon, hein, il n'y avait pas d'autre choix. C'était ou une allumette, ou alors la torche. Bah du coup, ça utilise une allumette quand même. Ça, les fusées, non, on va pas le faire pour genre 30 secondes. Donc ouais. Donc on va s'arrêter là.
Je pense qu'on a bien avancé. On va finir notre nuit parce qu'elle n'est pas encore complètement pleine. Donc on va finir notre nuit ici. Donc nous sommes arrivés à la ferme, donc qui est très très bien. J'aurais voulu franchement arrêter au Mont Timberwolf, mais ça va être trop long. Et puis ici c'est très très aléatoire avec les pardon avec le mauvais temps en fait. C'est très très aléatoire. Donc je pense qu'on a bien avancé. On a encore de la nourriture, de l'eau. Ici, je crois qu'on avait laissé de la nourriture quelque part. Donc, on va pouvoir en récupérer un peu plus. On a même des massettes aussi à récupérer si on veut. Mais ouais, la prochaine fois, on arrivera au Mont Timberwolf et on continuera au Mont Timberwolf. Donc voilà, très très bon. Ça, on va le... On va être plein de toute façon. Ok, très bien. On va boire et dormir et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne chance si vous allez au Ash Canyon et nous on se reverra la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.